Et re-YouTube, allez, c'est parti pour la dernière VOD de la journée sur Frostpunk. Alors, on avait été... Ouais, on est pas mal, on est toujours pas mal. Juste la bouffe, c'est un peu limite. Le métal, c'est la merde. J'ai hésité à dire galère ou merde, en fait. Mais bon, bah, tant pis. Alors... Ok, allez, c'est parti. Donc, hop. Quelque chose ne va pas dans l'observatoire. La neige recouvre les précieux instruments et le dôme est ouvert. De la fumée s'en échappe. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Des survivants. À la place d'astronome, nous avons trouvé certains membres de notre expédition perdue. Ils nous ont expliqué qu'ils sont venus ici pour chercher de l'aide, mais que tout le monde était déjà mort. Les astronomes ont continué leurs observations jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-il donc y avoir de plus important que leur vie? Nous avons trouvé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière du soleil n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption de volcans. Dans l'hémisphère sud, le soleil s'affaiblit. On escorte les survivants. Allez, hop. Il va vraiment nous falloir la troisième équipe d'éclaireurs, hein. Ça va devenir important. Bon, au moins on ramène un peu de main-d'œuvre parce que là ça commence à devenir la galère. Ok. Alors, il va nous falloir accumuler des ressources aussi, ça va devenir... Ok, alors, les survivants sont déjà là. Ici, les caisses sont recouvertes de neige épaisse, mais nous sommes certains que les provisions précieuses se cachent là-dessous, que les provisions sont explorées. Nous avons découvert plusieurs caisses remplies de ressources cachées sous la neige. Impossible de savoir qui les a laissées ici. Et surtout, pourquoi? Parce que les ressources, par les temps qui courent, c'est important. Allez, 42 de bouffe. Bon, c'est pas dingue. Mais why not? Dépôt en ruine. Ok. On y va. Suivant. Il va nous falloir des maisons. Ah ouais, il va falloir faire les maisons aussi, là, bientôt. Hein. Oh putain, il faut 4 maisons, là. Vraiment. Bon. On sera très bien ici. Notre ville, oui, notre ville. Site accidenté. Allons voir. Ouais, alors du coup, ici. Là. Il nous reste quoi? 19 travailleurs. Donc, ici. Est-ce que... Donc, 17... Ah ouais, c'est beaucoup d'ingénieurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire... ressources. J'ai plus de métal. C'est pas possible. Bon, bah, on va faire ça. J'ai plus de métal là. Je voulais construire en fait un truc de charbon. Mais bon, plus possible. Ressources, non. Technologie. On va faire des ateliers. 1. Et c'est tout. Ah, ça coûte du métal. Bon. Bah, ça sera déjà mieux que rien, hein, je suppose. En avant. Troisième équipe d'éclaireurs, mais du coup, on n'a pas de métal pour faire ça. Hein? Ah si, c'est bon. Oh yes. Ok, parfait. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. En avant. Ah oui. Bon, pas encore, mais bientôt on pourra faire les prières. On va pouvoir prier Dieu. 3 des 4 murs tiennent encore, protégeant des ressources recouvertes par la neige. Ah oui, d'accord. Là, on va vraiment prendre beaucoup de ressources, en fait, c'est ça. Après quelques efforts, nous avons pu retirer les caisses de ressources de la neige. Nous allons pouvoir les utiliser à bon escient. Parfait. Il n'y a plus rien d'autre. Retour en marche arrière.
On a quoi d'autre? On a ça, mais est-ce qu'on peut libérer un peu de main-d'œuvre? J'aimerais avoir plus de bouffe, hein. C'est terrible. Toujours plus. Oh là là, le bois. Oh, le bois, c'est quelque chose. Quoi? Ah oui, c'est la fin de la journée. Oh, 99% là, vraiment. Oh, ah, ah, ça dégoûte, ça dégoûte. Ça te malade gravement? Pourquoi? Se prépare pour la chasse, se prépare pour la chasse. Bah ouais, va chasser, gros. Joue. Oh. Bon. Ça te malade gravement, quand même. Hein. C'est à cause du chauffage? Attendez. Les températures vont pas rebaisser de suite. On a un peu de charbon, mais pas trop. Niveau malade, ça va. Des faims. Allez. Ah non, 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 pardon. 7 malades, 0 gravement. Ok, wow, ça va. Les Londoniens utilisent le mécontentement. Quelques-uns ont été convaincus. Un membre des Londoniens s'adresse à la foule. Il essaye de leur faire peur et de les convaincre de rejoindre l'exode vers Londres. Ses paroles apocalyptiques ne semblent pas avoir l'effet souhaité sur la foule. Qui est plutôt satisfaite de la situation actuelle dans notre ville. Eh ben voilà, laissez-le parler. Le nombre de Londoniens augmentera. Demandez au prêtre de rassurer les gens. Le nombre de Londoniens augmentera un peu. Plus 5. Oh, attends. Ah oui, ah, plus 11. Pas plus 1. Avec le ban. Disperser la foule nécessite un poste de garde actif. Ah, j'ai pas encore les gardiens de la foi. Ah, j'ai pas encore les gardiens de la foi là. Ah purée, je l'ai pas fait. Idiot. Idiot bête. Oh, ça dégoûte. Oula, on a... Ah ouais, deux gravement encore. Ça, c'est bon. C'est l'endroit où notre expédition s'est dispersée après la tempête de neige. Une partie de nos précieuses réserves devrait se trouver ici. Ok. Allez, hop, encore des ressources. Grotte lugubre. Non, on va aller plutôt là. Ok, colonie en muraille. On va mettre la troisième équipe d'éclaireurs sur le coup là. Pour ce qui se trouve au sud. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Bien. Nos recherches n'ont rien donné, mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Bien. Elles sont où? Des zones prometteuses là? Super. Allez, hop. Vous allez là. Ah oui, gardien de la foi. Hop. Et voilà. Alors, vol de bois. Ah, oh, ça y est, ça y est. Oh, quelqu'un a volé 145 de bois. Combien? Oh là là. Tout le monde dit que les Londoniens rassemblent des ressources pour leur voyage. Cette idée ridicule de quitter la ville pour rejoindre Londres semble prendre de l'ampleur. Bon, on va demander de l'aide au gardien de la foi. Hein. Allez hop. Même s'il est tout seul, il fera des heures sup. Les premiers Londoniens convaincus, capitaine. De nombreuses personnes souhaitant initialement rejoindre Londres ont finalement décidé de rester ici. Elles disent avoir été convaincues par vos récentes décisions et qu'il y a de l'espoir pour nous ici. C'est une bonne nouvelle. On peut toujours pas faire. Non, mais vraiment, on n'a plus de bouffe encore. C'est pas possible. C'est des gloutons. C'est pas possible. On va faire de la bouffe, hein, mais... On a quoi? Oh, en plus, on n'a que des... Oh là là, on n'a que des ingénieurs. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir préservés. Nous avons survécu encore une nuit, ce n'est pas rien. La recherche est terminée. Bon, ça c'est pas mal. Et il nous faudrait la scierie avancée et équipement de chasse aérienne.
Et les maisons. Oh, on n'a pas de métal. C'est dramatique. L'acier avancé, ça coûte que du poids pour faire l'acier avancé. Il nous faut vraiment du métal. On n'a plus le choix. Ça produit quoi ça? Mais ça produit de la soupe en plus, hein. Quoi? Une information d'un croyant. Capitaine, une femme affirme qu'elle a entendu ses voisins discuter de recel, de provisions et de ressources. De recel de provisions et de ressources. Nous allons nous renseigner. Bon, on travaille, super, on s'en fout. Et hop. Oui, nouvelle règle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pénitence publique. Certes, l'erreur est humaine, mais les déviants... Oh putain. Mais les déviants doivent faire publiquement pénitence pour dissuader les autres âmes du mauvais chemin. Ils ne pourront obtenir le pardon autrement. Pénitence publique. D'accord, ça augmente l'espoir. Des personnes abandonneront les londoniens à chaque utilisation, pas mal. Chaque utilisation diminue le mécontentement, tout ça c'est bien. Peut causer des blessures, c'est pas grave, on est équipé. Le mécontentement augmentera. Allez, on signe. Ouais, en plus, on n'a même pas le chauffage partout. Oh là là, catastrophe. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, hop, et là, hop, on va essayer de ramener un max de bouffe, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup. C'est où ma pénitence publique? C'est pas là. Ou alors c'est automatique, je sais pas. On verra. 21 malades? Oh les relous. Poste médical, hein. Ok, aspirer avancé, c'est bon. Les chasseurs là, est-ce qu'on peut. Ouais, on peut. C'est cool. Prêtre accusé. On la connaît celle-là, hein. On la connaît. Capitaine, une femme est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle a des preuves contre l'un de nos prêtres. Celui-ci l'accuse d'hérésie en retour. Capitaine, vous êtes mon seul espoir, dit-elle en pleurant. Lorsque j'ai essayé de le dénoncer, ses collègues m'ont éjecté. Il falsifie des dénonciations pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Elle ment. C'est une hérétique. Et tous les hérétiques sont de vils menteurs. Au bûcher! Prendre le parti de la femme, prendre le parti du prêtre. On va faire diminuer l'espoir, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon, on a ça là. Hein. Allez hop, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Voilà. Ça là, on a tout regagné. En avant. Ok, bon, ils ont. Certains ont faim. Ah, la procession. Il faut avoir la foi, c'est notre seul espoir dans ce Rougelet. Prions, mes frères et sœurs, gardez la foi, nous finirons par voir le printemps. Chantez, mes frères, là. Allez hop. Oh, ici, il fait pas assez chaud. Et. Ah oui, il est pas construit. La porte de la station de recherche a été enfoncée. Il y a de nombreux signes de lutte à l'intérieur là. Les objets brisés, les instruments endommagés et des traces de sang. Ouh. Nous avons trouvé le journal audio de Tesla à l'intérieur de la station saccagée. Tous les changements observés, comme l'atténuation de la lumière du soleil, ne peuvent pas être causés uniquement par les éruptions volcaniques. Et si le séisme de 1887 en Patagonie était en fait une chute d'astéroïdes, d'accord? Suivent alors des cris du fracas puis le silence. De nombreuses traces se dirigent de la porte en direction des montagnes. Ok. Encore beaucoup de ressources, hein.
Suivant. Et j'ai fait ma troisième équipe d'éclaireurs? Bah non. Parce que je suis un idiot bête. On a beaucoup de bois. Hop, on va annuler un peu de bois. Et on va faire une troisième équipe d'éclaireurs qui part ici. Hop, allez, direction le sud. Il nous faut aussi le poste médical. Ça va devenir urgent là. Manifestation pour du chauffage. Maison glaciale. Capitaine. Des personnes se sont rassemblées pour protester contre le froid qui règne dans leur maison. Ils se plaignent que malgré le risque sanitaire causé par le froid, vous semblez ignorer le problème. Ils veulent vous voir agir. On va chauffer quelques logements, mais ça va être compliqué, hein. On va pas s'occuper de ça maintenant. On va pas s'occuper de ça maintenant et on va faire les recherches pour les maisons. Ouais. Un décès. Manque de soins. Non mais. Blague. Saleté. Ici. On va enlever 5. On va en mettre 5 ici. On va allumer le chauffage. En avant. Voilà, les malades diminuent. C'est une bonne nouvelle. Nous avons escaladé jusqu'à la grotte. Un petit mur de pierre se trouve devant l'entrée. Plusieurs hommes se trouvent derrière. Alors que nous approchions de la grotte, les survivants sortirent leurs fusils et prirent position derrière le mur protégeant l'entrée. Ils sont en piteux état, affaiblis par le manque de nourriture et la maladie. Bon, on va leur parler. Voyant que nos intentions ne sont pas mauvaises, les Américains nous ont expliqué comment ils ont jugé l'inventeur après l'avoir exclu de leur ville. Nous avons enterré le corps meurtri de Tesla dans une grotte et nous dirigeons vers la ville avec les misérables survivants. Ok. Donc Tesla, il dégage. Et on ramène des survivants. Un autre vol. Capitaine, les Londoniens continuent à voler. Ils ont pris 160 encore. Les habitants sont furieux que les Londoniens fassent passer leurs idées absurdes avant les besoins de la ville. Je suis d'accord. On demande de l'aide aux gardiens de la foi. On a un peu de mal à les faire diminuer, là, ces Londoniens. Aïe, 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 aïe. On a 17 malades. Nos gardiens de la foi ont fait du bon travail, ils ont récupéré les ressources, mais surtout, ils ont attrapé l'un des voleurs. Nous allons pouvoir stopper ces vols. Ils demandent ce qu'ils doivent faire du voleur. On peut lui donner une chance. Allez. Hop. Allez, plus que 3 londoniens. On approche du but. Par contre, les malades, ça commence à devenir très grave, là. On est en train de rechercher quoi, là? Ouais. Je pense qu'on va commencer à rechercher la portée des foyers. On va faire des foyers et des radiateurs. Et des maisons. Oh. Ouais, mais les maisons, le problème, c'est que niveau assis, on est... Pff, compliqué. Qu'est-ce qu'on a en ressources? On a les aciéries avancées. Oh, ça, c'est catastrophique. Et les températures vont encore chuter. Ouais, non, non, là, il faut du radiateur. Là, il me faut du radiateur, ça va devenir urgent. Plusieurs abris en neige construits avec une certaine expertise. Un silence de mort règne sur la colonie. Les survivants. Certains exilés sont encore en vie, mais à peine. Nous pouvons essayer de les rapatrier vers notre ville, même s'ils risquent de mourir sur le chemin. L'un d'eux tenait un journal dont nous avons pu lire la dernière entrée. Exilé de Tesla City, la nourriture et les combustibles manquent. Nous avons envoyé les meilleurs d'entre nous chercher de l'aide. Ils sont notre dernier espoir. Nous pensons qu'il s'agit des Américains que nous avons enterrés. D'accord. On va les escorter encore une fois. On n'est pas chez les barbares. Ah, ok, bon non, ça va. J'ai pas raté grand chose. Vite. Encore. Cette grotte où était habité, il y a des traces de pas qui mènent vers son entrée. Nous devrions vérifier s'il y a encore quelqu'un de vivant à l'intérieur. Et il y a des gens. Ah ouais, les ours.
Nous pouvons entendre des cris terribles en provenance d'une grotte au nord. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Il y a des gens sont à l'intérieur. D'accord. Il y a des gens à l'intérieur qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes. Par contre, on risque de perdre l'expédition. L'expédition compte 5 hommes, mais on peut sauver pas moins de 34 hommes. Le ratio est bon. Et ils sont morts. Bon. Lorsque nos éclaireurs ont attaqué les bêtes, les survivants de la grotte ont rejoint leurs efforts pour chasser les ours. Malheureusement, nos éclaireurs sont morts de leurs blessures. Les personnes qui les ont sauvés se dirigent à présent vers notre ville en utilisant une carte trouvée sur l'un de nos éclaireurs. Bon. Alors, c'est pas cool. Ouais, il rentre tous. Ok. C'est pas cool et surtout maintenant il nous faut trouver 5 péons pour faire encore une expédition. On va enlever du bois. Hein. Allez. Hein. Et du coup, on va envoyer l'expédition ici. Hein. Allez, en avant. Ok. Bon, c'est quand même pas cool. Donc on a dit chauffage, portée des foyers. Parce que là, ça va commencer à devenir très critique. Je pense que d'ici 24 heures, on va commencer à avoir des morts. Alors, ce que je veux aussi, c'est ressources, grand dépôt de ressources. Paf. Pour stocker la nourriture crue. 22 balades. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, tenez le coup, ça arrive, ça arrive. Ok, portée des foyers. Alors, problème, c'est que la portée des foyers, ben, ça coûte de l'acier. Enfin, portée des foyers. Les foyers coûtent de l'acier. Alors. Hop. Foyer. Et en plus, ça consomme du charbon. Donc, c'est pas cool. Mais là... ok. Ok. Et il nous en faudrait un genre là. Non. Oui. Non. Je pense que là, ça serait peut-être même. Attendez. Attendez, attendez. Non. Oh. Ok. Et là, du coup. Foyer à vapeur, je pense que ici ça serait pas mal. Ok. Recherche suivante. Les radiateurs. Ouais, booster les radiateurs. Allez, radiateur. Là, ça sera pas mal. Il nous faut des survivants. Là, on a besoin de main d'œuvre. Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais, non. Ouais, les malades. Ah oui, on peut régler. Ouais, c'est ça. 24h ou 8h-18h. On va mettre 8h-18h. Attends, quoi? La journée de travail de 10h. C'est allumé que la journée? Si c'est allumé que la journée, c'est nul. Hein. Tu vois? Ah oh, putain, c'est allumé que la journée. Oh, là, je vais le mettre en 24h. Oui, nouvelle règle. Protecteur de la vérité. Le capitaine assumera la charge de protecteur de la vérité. Seul lui est en mesure de discerner le bien du mal et de guider notre foi. Nouvelle compétence, parole du capitaine. Ok. Ok. Le mécontentement augmente. Ok, vas-y. Parce que là, du coup, si je fais ça, là... Ah oui. Paf, paf, paf. Ouf, plus de mécontentement. Attendez. Ah oui, une procession. La parole du capitaine, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et la pénitence. La pénitence passe. Ah, là on a un trou. Il faudra peut-être un...
un foyer ici, mais pas encore. Ouais, vas-y, reprends-toi mes crayons. Voilà. Ah! Ah ben c'est bon. Nous ne nous diviserons pas. Les Londoniens sont entrés dans le rang. Je les ai matés, ces petits salauds. Personne ne veut quitter la ville à présent. Nous avons gagné une bataille difficile sur ceux qui voulaient nous désunir. La tragédie de Nidiver a étiolé nos esprits. La peur a amené des gens à croire à des idées folles. Nous ne pouvions pas les laisser mourir dans cet enfer blanc. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que nous restions unis. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Là, l'espoir est à fond, le mécontentement est faible. Nous avons un peu de bouffe. Nous avons de la main-d'œuvre qui arrive. Ah oui. Ce que je voulais construire aussi, c'est. Ah, mine de charbon à vapeur. Ben oui, vraiment. Oui, j'ai plus de. De noyaux de vapeur. Mais isoké. Isoké, j'en ai qui arrive. Ouais, faut que j'améliore ça. Là, on va avoir moins de malades, hein, quand même. Hein. Logiquement, ça devrait diminuer. Bien. Allez, hop. Cinq maisons. Oh, ça commence à coûter cher. Ah oui, putain, il faut que je développe les maisons. Ça fait 10 ans que je le dis, je développe pas les maisons. Ça va finir par se voir. Dortoir. 1, 2, la pile métal. Oh, j'en ai marre. Lui, il me donne du métal, lui. Oh yeah! Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le compte est bon. Bon, là, ça se dirige gentiment par là, donc du coup, pas besoin de. Hein, pas besoin de s'embêter. Ils vont rester là en attendant. Ah, je sais pas. Est-ce que je les enverrai pas là-bas? Ouais, peut-être. Hein. Allez. Ok. Allez, on les envoie là-bas. On va voir ce qui se passe. Boostify. Le max, ici, c'est en construction. Donc, pas touche les douches. Ici. Ici. Ok. On va aussi faire dépôt de grandes ressources. On va en faire deux. On va commencer à. Là, il faut accumuler. Hein. On a des noyaux de vapeur pour savoir comment faire. Mine de charbon en vapeur. Parfait. Ah, ça va charbonner cette là. Là, c'est parti. Hein. Cabane de chasseur aussi. Hein. C'est parti. Hein. Hop. Allez, pif, paf. Bien. Ah oui, ça serait pas mal. Technologie, foyer de vapeur. Et là, par contre, on va le mettre de 8h à 18h. Ça va être sympa. Ok. Donc là, on a beaucoup de manœuvres. Ouais, on a beaucoup de manœuvres. Alors du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est atelier. 1. 2. 2 ateliers déjà, ça sera pas mal. Hein. Ouais, on va pas trop pousser bébé dans les orties non plus. Est-ce que je ferai pas... Ouais, je vais faire des centres médicaux aussi. Toujours plus, hein. Toujours plus. J'avais quoi? J'avais le. Ouais, la maison de soins, il y en a qu'un sur 20. Okay. C'est bon. Ah! Donc là, on boostify cru, on est blindé. Hein. Une information d'un croyant, capitaine. Une femme affirme qu'elle a entendu ses voisins discuter de recel de provisions et de ressources. Collabo! Nous allons nous renseigner.
Bien. Nouvelle recherche. Donc là, les radiateurs, c'est bon. Ah oui, les maisons. Ah ouais, là, il nous faut les maisons. Paf. 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 Là, 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 les soins médicaux, ça va y aller, hein, je vous le dis. Hein. Le trou de la sécu va s'agrandir, j'ai envie de dire. Alors. Ouais. Les survivants ont atteint la ville. Oui. C'est bon. C'est ceux je vois qui c'est. C'est Alfred. Et ses habits. Encore des maisons? Est-ce que les recherches. Il est quelle heure? 10 heures. Bon, la recherche sera finie quand même d'ici ce soir, non? Allez, feignasse! Oula. Il faudrait peut-être construire les hangars là, hein. Ça va commencer à se voir. Hein. Ok, oui, ici on va blinder aussi. Plein d'axes. On va même faire, parce qu'on est des dingues, pas une cabane. Ça devrait aller. Une deuxième cantine. Ici, on va stocker le métal. On a besoin. Ah, ça fait plaisir. Donc ici, paf. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les plans des maisons. Oh, j'espère que ça sera fini avant 18 h. Ça sera jamais fini avant 18 h. Ah, la catastrophe! Ok, nourriture crue. Ça, c'est bon. Et là, on va mettre du bois encore. Allez me chercher de la boostify. Encore, toujours plus de bouffe, toujours. Oh là 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 là, oh là 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 là, la main d'œuvre là là là, la main d'œuvre. Oh là là, on se fait plaisir. Hein. ça va coûter cher en charge sociale tout ça. Hein. Oh là 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 là. Comment ça, ils ont tous faim? Et il faut 5 maisons. Non? Non, 3. Parce que là, les deux vont finir. Les plans des maisons, c'est DTC, on verra plus tard. Ok. Donc du coup, on va faire des maisons classiques. Ok, 3 maisons, ce sera bon. Ici. Hop. 5 de plus. Bon là, ça tourne pas mal, hein. En vrai, ah oui, ça. Et ça, on va mettre 8 h, 18 h. Ah oui, il va falloir que je commence à allumer le chauffage un peu. Hein. Sinon, je vais encore avoir des malades, et nanani, et nanana. Voilà, comme ça, ils se rétabliront plus vite. Allez. Encore? Mais quoi? Manque de soins? Je comprends pas. On n'a pas de malade. C'est de ma gueule. Invité inattendu. Capitaine, un groupe de survivants épuisés attend votre ville. En écoutant leur explication frénétique, nous comprenons qu'ils ont parcouru une distance importante et que beaucoup d'entre eux sont morts durant le voyage. Oh, c'est pas cool. Ils disent que l'apocalypse s'en vient, que d'autres survivants sont en chemin. Ils vous supplient de les aider, capitaine. Nous allons les aider. Le plus éloigné, un jour 17 h, ça sera lui. Donc, tu vas là. Par contre, là. Oh, ça, c'est chiant. C'est très très chiant. On va faire des cabanes de chasse encore. Alors, pourquoi je fais pas de serre? C'est un parti pris. C'est un parti pris, j'ai la flemme. Je fais soit les cabanes de chasse, soit les serres. Les cabanes de chasse, ça me va. Les serres produisent moins, me semble-t-il. Mais pendant les gels, etc., quand il fait très froid, ça continue de produire. Ou les cabanes de chasse, non. Ils ne produisent plus quand il y aura la fin du jour. Maison. Ah oui, ça. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Du bois? Ok. Du coup, on va prendre un autre. On va. Ah, je peux. Ah, papy, j'ai plus de métal. Oh, on a eu 700 de métal tout à l'heure, j'ai tout fumé, quoi. Les putains. Bon, par contre, on a plus d'ouvriers là pour ramener encore plus de bouffe.
Mais tant pis. Allez, les températures vont grave baisser là, ça va commencer à devenir complexe. Hein. Alors par contre, là, niveau chaleur là, ouais. Bon, lui, par contre, il faut lui allumer le chauffage. Je crois que si je l'éteins... Ah ouais. Ouais, mais je veux pas de malade, hein. Franchement, j'en ai marre. On a déjà eu deux morts, c'est de trop. Plus les... Ah ouais, plus mon équipe d'éclaireurs là. Et puis, nouvelle règle. Alors... La foi nouvelle. Avec l'affirmation de la foi nouvelle, le moindre doute exprimé sera considéré comme un acte d'hérésie. Dictature quand tu le tiens. Nous devons tous nous dévouer à la survie de notre cause. Les objecteurs seront écartés. L'espoir ne sera plus jamais un problème, cool. Les londoniens devront renoncer à leur opinion. C'est déjà fait. Un lieu d'exécution. Les londoniens périront, bon, on n'en a plus. Certaines personnes auront le sentiment de devoir lutter contre cette loi. Certaines d'entre elles périront. Bah non, je peux pas le faire. Hôtel. En vrai, plus besoin. Qu'est-ce que... Ouais, non. Les arènes, non. Triage, non. Prothèse, non. L'engrais, non. En vrai, pour tout ce qui est loi, je pense que c'est bon. Hein. Niveau recherche, là, ça donne quoi? Ouais, on a le plan des maisons, ça, c'est enfin. Ça, c'est cool. On va commencer à faire du charbon. Hein. Charbon. Traîneau d'éclaireur, ça peut être pas mal, mais je pense que c'est pas la priorité. Je pense qu'on va commencer à voir pour le charbon et le chauffage. Efficacité des foyers à vapeur. Donc c'est pour la consommation. Ok. Puissance du générateur, oui, il va falloir aussi. L'efficacité des mines de charbon, à vapeur et des mines de charbon avancées augmente de 10%. Après 10% de mines de charbon avancées, c'est mieux que 10% de charbon de mine à vapeur, non? Je pense. Station de forage avancée, je pense qu'on le fera pas. L'acierie, c'est fait. La fin, on est au max. Ah ouais, j'ai oublié ça. Isolation des bâtiments de santé. Ah ouais, il nous faut parce que ça commence à devenir complexe là. Par contre, niveau bouffe. Niveau bouffe. Voilà quoi. Ouais, et on mettra des. Des ingénieurs supplémentaires. Et dans les maisons de soins, en fait. Oh là là. On va mettre ration. Allez. C'est dommage qu'il n'y ait rien pour transformer le bois en acier. Vous avez pas une pierre philosophale qui traîne là dans le coin, non? Ok, parfait. Infirmerie, voilà. Ce sera très bien l'infirmerie du coup. On mettra les ingénieurs là qui... Ingénieurs oisifs. Ok, ça c'est les survivants qui sont arrivés, c'est ça? Non? Oui, non, c'est ok, mon équipe qui a trouvé les survivants. Ok. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère pour continuer à explorer. Nos recherches n'ont rien donné, mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre les zones les plus prometteuses. Bien. Comme quoi? Qu'est-ce que tu peux atteindre comme zone... Hein? Il y a un peu plus de zones prometteuses, là. Alors bon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir.
Un large groupe de personnes a atteint notre ville. La plupart sont malades. Ils disent qu'une anomalie météorologique va s'abattre sur nous et qu'ils vont mourir sans notre aide. Nous n'y aurions jamais survécu si nous n'avions pas eu notre bonne étoile, l'explorateur Nansen, qui nous a prévenu du désastre à venir et nous a dit d'évacuer. Laissez-nous entrer. Bon, les ordres, moi je suis pas trop fan, hein, vous savez, ici, dictature, tout ça, tout ça. Hein. Et bon, allez! J'ai besoin de main-d'œuvre. Allez, allez me chercher la boostify. Pas mal! Par contre, cette maison là, vraiment. Une, deux, trois. 4, 5, 6 et 7. Hop. On va en construire d'autres en préventif. Au moins ça sera fait. Oh la vache. Vas-y coco, hein. Bon alors là, ça va faire plaisir. Hein. Ici, toi tu vas chercher ce groupe-là. En avant. Toujours plus de manœuvres. Hein. Allez. Attendez, c'est quoi là qui fout rien? Les ingénieurs, hein, toujours les ingénieurs. On va faire ça. On va faire ça. On va garder un peu d'ingénieurs pour les maisons de soins là qui arrivent, mais. Mais on va faire des cabanes de chasse. J'aime les cabanes de chasse. Une, deux. Ce sera pas mal. En avant. Oui. La cabane est en ruine, mais ce qu'elle contient peut nous être utile. En fouillant le cabanon, nous avons trouvé de nombreuses ressources de valeur. Bien. Mais c'est tout. Genre, il n'y a plus rien. Allez, rentre à la maison, les mecs. Hein. Rester là-bas pour rien. Hein. En avant. Crois, les maisons, là, ça tombe au bon moment. Hein. Ouf. C'est du génie. Eh, attendez, j'avais pas les mines de charbon de mort qui tue là. Bah, de toute façon, j'ai plus de métal, mais. Mine de charbon à vapeur. Ah, j'ai pas encore. Ouais. Je l'ai pas fait, hein. Ah, oui, non. Oh, c'est pas encore fait. Oh, le moins de. Ah, moins 60! Oh là là. Moins 60. Là. Ok. Du coup, on va passer au prototypage automatique pour débloquer les mines de charbon avancées. Pas de métal. Ça me fatigue. Bah, du coup, vas-y, hein. Go la santé. Le principal, c'est la santé. On va faire une infirmerie. Deux, deux, une. Une, c'est bien une. D'accord. Ici, il y en a du people. Hey! Ils sont barrés là, ils ont raté la construction. Toujours pas? Si. Alors, hop, ça c'est bien. Petite infirmerie qui est fonctionnelle. Ok, ici c'est parti aussi pour de la boostify. Oh, il va nous falloir ressources. Grand dépôt de ressources. J'ai envie de dire un de plus, hein.
On fait la fourmi. À l'avant. Tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Et de là, vous allez aller me chercher eux. Ouais, il faut des maisons supplémentaires. Par contre, je vais commencer à faire payer un loyer. Hein. Parce que là. De gentil, mais j'ai plus d'acier. J'ai plus d'acier. Encore. Sachant que il nous faudrait 4 maisons. Bon, ouais. Niveau chaleur, là, ça. Oh. Oh, c'est pas dingue, hein. Ah, ouais. Oh mais il fait que moins 60 les mecs, arrêtez quoi, ça va. Oh les petites natures. Ah bah oui, il n'y a plus rien de toute façon. Et hop. Hop. Qu'est-ce qu'il dit? Amputation. Oh non. L'un des nôtres a dû être amputé à force de travailler dans ce froid. Mais il travaille où? Je comprends pas. Maison de soins ou prothèses? Prothèses. Mais les prothèses, ça nécessite les recherches d'usine. En fait, c'est ça. Ici, usine. Et avec ça, on fait les prothèses. En gros, on construit une usine et puis on fait les prothèses. Oh, c'est chiant, quoi. Je veux dire, c'est chiant. Ouais. Ah oui, non, c'est bon, j'ai été les récupérer déjà. Par contre, j'hésite à mettre une petite rotation d'urgence. Hein. Parce que... l'acier, voilà quoi. Et il travaille où là pour, il travaille là, tu crois? Enfin, vous croyez? Ah, le bel chauffage, on va voir. Hein. De toute façon, on a un peu de charbon. Enfin, un peu de charbon. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Ok. Il rentre en ville avec un peu de bouffe et de bois, mais bon. Rien de transcendant. J'aurais peut-être dû prendre l'autobat pour le mettre sur mon acier, en fait, maintenant que j'y pense. Allez, encore la Gestapo. Capitaine, une femme affirme qu'elle a entendu ses voisins discuter de recel. Le prototypage c'est bon et du coup je voudrais faire l'isolation. Ben non, ce que je veux moi, c'est la bille de charbon. Oh diable le froid, ils n'ont qu'à prendre des couvertures. 1, 2, 3, 4. C'est un petit peu l'anarchie là. Hein. Et bon, on fait comme on peut. On a énormément de malades, hein. C'est terrible. C'est terrible. Les lieux de travail, là, ils sont comment? On enlève un peu. Oh, putain. Ça va commencer à coûter cher. Hein. Ça va commencer à coûter cher en charbon, hein, tout ça. Hein. Va falloir charbonner, moi, je vous le dis. Hein. Parfait. On va commencer à... Les températures vont remonter. On va faire les isolations de maison. Ah, ça, ça peut être sympa aussi. Les infirmeries nécessiteront moins de monde. Ouf, ouais. Les postes médicaux, les infirmeries, les maisons de guérison et les maisons de soins seront encore plus chauds. Ah oui, mais je suis con. Bah... on va commencer à économiser un peu le charbon. Ouais, on va faire ça. On va faire
Hop, hop. Si les gens veulent du confort, le confort ça se paye. Tout le monde est le bienvenu. Ce qui nous attend, capitaine, nous pouvons maintenant voir ce que les réfugiés tentaient de fuir. Le grand froid s'en vient. Nous devons nous préparer. Nos scientifiques disent qu'ils peuvent calculer la sévérité de la tempête. Ils ont juste besoin d'un jour ou deux pour préparer leurs instruments et les installer dans la balise. Soit je sais à peu près ce qui arrive, ça s'appelle l'apocalypse. Hein. Alors. Oh, par contre, le nombre de malades, hein, c'est très grave. Hein. Oh là là, 45 malades graves. Oh, ça va être l'apocalypse. On va faire des maisons. On a quoi là en ressources? Une de charbon. Ok, c'est le soir. Ok. Mine de charbon, c'est bon. Habitants, on va faire des maisons. Oh putain, j'ai plus de mal encore. C'est terrible. Oh, elle est malade. Oh là là, il va y avoir des morts. Oh la catastrophe. Oh, j'ai 55 personnes. Oh là 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 là, vite 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 que les températures remontent là. Go to work. Lord, be with us as we labor today. Oh là là, la catastrophe. Faut faire quelque chose au niveau des soins, ça va être catastrophique. Donc pas maison de soins, infirmerie. Ouais ouais ouais. Alors 1, 2, 3. Et c'est tout. Enfin on fait ce qu'on peut. On a les travailleurs pour, c'est bon. On a plus de... Ok. Je crois que... Ouais, c'est ça. Okay. Hop. Hop. Et hop. Ok, on récupère les ingénieurs, là. Là, il faut qu'il va falloir qu'ils commencent à bosser un peu. Des survivants. Ah, putain. Ces gens-là ne survivront pas beaucoup plus longtemps. Ils ont trouvé refuge dans une crevasse de glace et souffrent d'importantes engelures et hypothermie. Nous pouvons encore les aider. Nous agissons rapidement et que nous les rapatrions en ville. Ils n'ont aucune chance d'y arriver tout seuls. Certains n'ont même plus la force de parler. Bon, on va y arriver en ville. Hein. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. À niveau maison, pareil, ça commence à devenir complexe. Et c'est dingue hein, de manquer autant de métal. Hein. Hop, chauffage. Il nous reste deux noyaux à vapeur pour des infirmeries. Oh, c'est dur. Hein. Oh, c'est dur. Là, le métal, c'est très très dur. Hein. C'est tellement pas cool. Il nous faut des maisons absolument. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a plus de métal. Encore. Ok, ouais, pas mal, mais en fait, ça servait à rien ce qu'on cherche. Hein. On va faire l'isolation des maisons. Ah non! La puissance du générateur, hein, vas-y. Oh
Ok, fin de journée. Les maisons sont construites. Les malades. Oh putain. Dramatique. Des survivants. Ces personnes-là ont dû tomber dans ce trou en tentant d'échapper à la tempête à venir. Au moins la moitié d'entre elles n'a pas survécu à la chute. Mais nous devrions pouvoir sauver les blessés. Vous pouvez pas sauver ceux qui ne sont pas blessés? Du moins si nous utilisons nos luges pour les rapatrier rapidement en ville. Ouais bah... Allez, hein. Toujours plus hein. On dit le dicton. Ah! Ça y est. Il pleut des morts. Eh ben, eh! Grâce! Enfin voilà quoi, vous avez compris. Oh là là, la catastrophe, il pleut des morts. Bon bah là, on a eu beaucoup de morts. Hein. Pour le coup, c'est pas cool. Mais, en même temps, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Bon. Maison. Une maison, ça suffit. Oh, on est tellement ric-crac, c'est terrible. Des survivants. Toutes ces personnes sont à l'article. Sont à l'article de la mort. C'est un miracle qu'elles soient encore en vie. L'air terrier de neige n'offre qu'un tout petit peu plus de chaleur dans cet enfer de glace. Ils ne tiendront pas un jour de plus si nous ne retournons pas immédiatement en ville. Allez, go. À niveau charbon, oh, c'est la PLS. Hein. On est en PLS surtout. Hein. Là, la tempête, ça va être terrible. Hein. Enfant en fugue, capitaine, un homme est venu vous voir. Il dit que sa fille a fugué après avoir entendu parler de la tempête. Il souhaite emprunter une luge d'éclaireur et aller la chercher. C'est une grande fille maintenant, oui. Mais elle a toujours été impulsive. Et elle a facilement peur. Je dois la retrouver avant qu'elle soit perdue pour de bon. Elle est ma seule raison de vivre. Bah non en fait. Sinon tu vas mourir. Enfin, j'ai déjà eu beaucoup de morts quoi. Mais bon. Oh, c'est la PLS, on est en PLS de tout, sauf la bouffe. La bouffe ça va. Le charbon, c'est la merde. Tout est grave catastrophique. Oh, les malades aussi, hein, c'est une catastrophe. Oh là là, 120 malades, on n'y arrive pas. Je vois pas ce que je peux faire de plus là, actuellement pour les malades en fait. Hein. On va faire des infirmeries hein, bien sûr, mais. J'ai plus de quoi en faire d'autre. Oh, 119 malades. Voilà. Putain, c'est plein. Les en soins, c'est plein. Les en soins, là, je peux en construire encore. Ouais. De maison, j'ai pas de métal. Oh, je chiotte. Je passe pas l'hiver. Hein. C'est pas fini d'être construit. Maison. Oh, putain. Et ouais, pas de métal, pas de métal. Hein. Ouais, ok, encore de la délation, c'est bon. Mais attends, mais c'est terrible, j'ai augmenté là. Ouais, à s'y réavancer, putain, mais c'est terrible, hein. Ressources. Non. Hein? Non. 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 Non, c'est que pour les postes de collecte. Putain, je peux pas faire plus de métal que ça, quoi. Genre, waouh.
Oh la vache. Ils sont pleins, hein. Oh! Oh la catastrophe, quoi. Oh là 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 là. Bon, on en est où? Ça dit quoi? Ça dit quand même que là il y a beaucoup de chauffage. Ouais, mais c'est sinon il fait froid. Oh là là, faut que je fasse les isolations du bâtiment de santé. Ben, économie sur le chauffage, messieurs. C'est la merde, hein. Oh là là. Ok. Bon. Oh, il va me falloir des maisons. Là, il me faut des maisons. Ah oui, charbonnage. Parce qu'il va me falloir du charbon en blanc aussi. Oh là 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 là. Ok. Encore du personnel. Hop, ici. Bon, ça va être encore des survivants. Il me faut une maison supplémentaire, il me faut du foyer. C'est vraiment horrible. Est-ce que ça va chauffer ça? C'est pas dingue. Et si je le mets là, ça sera mieux là, non? C'est toujours pas plus dingue. Hein. Ah non, c'est même pire. Ouais, il faudrait que ce soit là. Non, pas là. Pas là. La consommation de charbon. C'est vraiment typical américain avec toutes leurs usines à charbon, quoi. Comment ça, j'ai plus de maison, là? Ok, allez, faut refaire des maisons. Bon, là, j'aurai des maisons partout. Ok, ça, c'est déjà une bonne chose. Ah. Bon, petite pause YouTube, ça fait 1 heure de VOD. À tout à l'heure.